Arianna Voss, though, launches the move. Can she take the stage win in the yellow jersey? But here comes Cecily Uttrup-Ludwig. Marta Cavalli comes of age, takes the biggest victory. Inno di Mameli. Eh sì, Vittoria Guazzini. À tous et bienvenue ici au parc du Futuroscope, ce lieu désormais incontournable du début de saison de cette équipe FDJ Suez. Et bonjour également à toutes celles et ceux qui nous suivent derrière les écrans en live. Et oui, FDJ Suez, car l'équipe progresse, des partenaires arrivent et les autres ne repartent pas. Car en effet, si le Futuroscope a quitté la dénomination officielle du nom de cette équipe, eh bien elle n'en est pas moins. Le Futuroscope n'est pas moins qu'un partenaire, un fidèle parmi les fidèles, et notre présence ici ce soir justement en témoigne. Justement, les partenaires, ils accompagnent la progression de l'équipe, devenue un modèle année après année. Et on s'en souvient, 2006, Gatien, toute son équipe de bénévoles, à l'époque étaient des avant-gardistes. Certains ont même dit ces années-là qu'ils étaient peut-être un petit peu fous. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, à l'instant même, l'équipe FDJ Suez est numéro 1 au classement mondial UCI World Tour. Alors ce soir, c'est une équipe au sens large du terme que l'on va mettre à l'honneur tout au long de cette soirée, de cet après-midi, devrais-je dire, avec ses partenaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient institutionnels, qui permettent de nourrir les ambitions sportives, avec également les chefs de file, Manu, Stéphane, tout le staff qui les accompagne et qui donne la direction à suivre, avec bien évidemment les sportives qui seront avec nous tout à l'heure, et qui tout simplement ont tout pour nourrir leurs ambitions. Tout est mis en place pour la performance, mais également pour les accompagner dans leur vie d'athlète, mais aussi leur vie de femme. Et puis on mettra à l'honneur certains des travailleurs de l'ombre qui permettent aux sportives, justement, de croire en leurs ambitions. Et justement, parmi les travailleurs de l'ombre, il y en a qu'on ne voit pas beaucoup. Ce soir, on va en voir un particulièrement, mesdames et messieurs. Car des cyclistes sans vélo n'iraient pas bien loin. Et ce soir, cet après-midi, vous pourrez assister en fil rouge au montage du vélo de l'équipe avec Lucas, qui va nous rejoindre et qui, en direct sous vos yeux, va monter le vélo. Ici, vous pouvez l'applaudir, Lucas. Voilà Lucas, on le fera parler tout au long de cet après-midi. Il va donc travailler sous vos yeux, en effet l'un des travailleurs de l'ombre qui va être mis à l'honneur. Et puis assurément nous allons passer un moment très agréable tous ensemble dans cette salle du Cube qui est remplie. Et nous allons accueillir celui grâce à qui c'est possible. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Rodolphe Boin, président du directoire du parc du Futuroscope.
Bonjour Rodolphe, merci. Bonjour. De nous accueillir ici. Alors je dirais que j'ai tendance à dire ce soir, cet après-midi, mais il fait noir. On est au cœur de l'après-midi dans une journée très importante pour le Futuroscope. C'est, eh bien, comme de tradition, cette présentation de l'équipe qui accompagne le jour de l'ouverture. Merci de nous permettre d'être ici avec vous. Oui, ici on aime bien les traditions, on aime bien la fidélité. 37e édition, 30e saison pardon, du Parc du Futuroscope et 17e présentation de cette formidable équipe qui nous a rendus fiers toute l'année et qui nous a rendus encore plus fiers en début d'année. Équipe numéro 1, elle est là, elle est juste à côté de chez nous. C'est vraiment extraordinaire. Franchement, on suit ça avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'émotion. J'allais presque dire humilité et ambition. Je crois que c'est ce qui caractérise nos deux équipes. Celle de la FDJ Suez, il faut que je m'y habitue, et celle du Parc du Futuroscope. Je crois qu'on a un ancrage territorial fort et je remercie encore une fois d'avoir mis le siège en fait, ici, sur les terres de la création de cette équipe-là. On est très fiers de cette équipe-là, évidemment. Et, même si on va être déclassé un petit peu en fait, dans la nomination, comptez sur le Parc du Futuroscope pour faire en sorte que on sera évidemment toujours aux côtés de cette équipe-là et on ne va absolument rien changer à notre participation. Et on restera évidemment toujours à vos côtés parce que vous nous rendez tellement fiers qu'on a très envie que vous ayez encore des victoires et qu'on puisse les célébrer avec vous. Merci, je crois que vous pouvez l'applaudir. Merci Rodolphe. Rodolphe Bouin, président du directoire du Futuroscope. Je le disais en préambule, les partenaires arrivent mais ne repartent pas. Ils sont désormais deux, eh bien, à tout simplement faire le nom que l'on cite tout au long de l'année dans les différents médias, parmi également les fans qui sont avec nous dans cette salle aujourd'hui. Et nous allons donc pouvoir accueillir, eh bien, sans plus attendre, les partenaires titres de l'équipe FDJ Suez avec Frédéric Quentin, responsable sport de haut niveau et sport féminin chez FDJ, et Frédéric Jeske-Schoenhoven, vice-président de Suez. Je vous laisse vous installer, Frédéric Quentin, honneur aux femmes, et partenaire désormais depuis quelques années. FDJ est très présent dans le sport, on le disait, notamment le cyclisme, et c'est un engagement très très important pour FDJ. Alors, je vais commencer par un bonjour, bonsoir, hein, comme le dit Marion, on ne sait pas si on est dans la journée ou dans la nuit, avec beaucoup de plaisir de me retrouver parmi vous. Pour moi, ça doit être ma 5e présentation. Pour l'entreprise, ça fait un petit peu plus, puisque ça fait la 6e saison que nous sommes partenaires. Effectivement, la Française des Jeux, un partenaire majeur engagé du sport en France, c'est une histoire qui s'écrit dans le cyclisme depuis... plus de 30 ans maintenant, puisqu'on est l'un des sponsors les plus anciens dans le peloton masculin professionnel. Et une histoire un petit peu plus récente sur le cyclisme féminin, puisqu'en fait, on a rejoint l'équipe en 2017. On a rejoint l'équipe, on a tout de suite été touché en fait, par toute la ferveur et tout l'engagement qu'il y avait autour de cette équipe qui, à l'époque, avait... des ambitions déjà très importantes, même si c'était une équipe qui était plus modeste dans sa structuration, mais on a tout de suite senti le potentiel que pouvait avoir cette équipe et surtout l'envie qu'elle avait. Et donc on a vu cette équipe grandir sous l'impulsion de Stephen et de tout son staff. On a vu cette équipe qui avait des résultats au niveau national arriver, comme c'est le cas pour ce début de saison, au top niveau mondial, à la première place du classement UCI. Donc c'est vraiment des belles ambitions qui ont été concrétisées. Et puis on a vu aussi dans cette équipe s'agrandir et accueillir des nouveaux partenaires. Et je salue l'arrivée de Suez qui nous a rejoint pour continuer à pouvoir permettre à cette équipe d'avoir des ambitions renouvelées. Alors on a parlé des équipes, bien sûr l'équipe FDJ Suez et l'équipe masculine également, mais on vous retrouve aussi auprès des organisateurs. J'en profite pour un salut, hein, j'en ai aperçu Alain Clouet qui est ici au deuxième rang, il y en a peut-être d'autres dans la salle, mais FDJ accompagne aussi les organisations.
Oui, parce que pour développer le cyclisme féminin, il faut aussi des courses, hein, il faut des épreuves sportives. Donc FDJ est partenaire depuis déjà des plus belles courses qu'il y a sur le territoire, puisqu'on a le plaisir d'avoir vu l'arrivée sur le territoire du Paris-Roubaix Femmes, grâce à l'organisation d'ASO, qui est également présent dans la salle ce soir. Et puis, bien sûr, on est partenaire majeur du Tour de France Femmes qui a fait son retour en 2022. Donc, c'est un vrai bonheur pour nous, puisque c'est aussi un travail de l'ombre qui a été mené par notre présidente, par Stéphane Palaise, pour aussi faire revenir, engager des discussions avec ASO pour faire revenir ce Tour de France Femmes. Donc, ça, c'est super important. Et puis, on est également partenaire aux côtés de la FFC, d'un circuit de la Coupe de France Élite Femmes, où nos championnes de l'équipe ont plutôt bien marché, puisqu'elles ont gagné 4 des 8 manches, et puis elles ont également remporté le classement général. Donc c'est important qu'il y ait des épreuves pour qu'elles puissent briller sur le territoire français, et puis également permettre à des cyclistes françaises de se confronter au plus haut niveau mondial, et puis aussi susciter l'envie des plus jeunes. Alors des équipes hommes, des équipes femmes, des organisations, mais quand on parle d'hommes et de femmes, c'est une thématique très importante pour FDJ également que la mixité. Alors oui, une thématique très importante sans doute parce qu'on a à la tête de l'entreprise une femme hein, qui s'appelle Stéphane Palaise. Quand elle est arrivée en 2015, donc bien sûr les questions d'égalité mixité en matière RH ont été son premier, on va dire, cheval de bataille. C'est une entreprise qui a obtenu la note de 100 sur 100 à l'indice Pinico, qui est autour de l'égalité professionnelle. Et Stéphane Palaise, dès son arrivée, nous a vraiment encouragés à mener un traitement égalitaire dans ce qu'on fait dans le sport, et donc on est devenu partenaire de l'équipe, bien sûr, et puis on a développé tout un programme qui s'appelle Sport pour Elles, pour promouvoir la pratique sportive de toutes les femmes, pour engager aussi plus de femmes dans la gouvernance du sport, parce que voilà, c'est important aussi d'avoir des femmes à tous les échelons dans le sport, et également des femmes journalistes. Donc ça c'est vraiment, vraiment très important. Et puis puis voilà, sur la mixité, on est également bien sûr partenaire de Paris 2024, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et donc on a engagé aussi, on souhaite donner de la visibilité à cette thématique de la mixité, et on accompagne des associations pour permettre la pratique, enfin pour pouvoir développer la pratique sportive de toutes les femmes, parce qu'on se rend compte quand on lance encore des études qu'il y a moins de femmes qui pratiquent de sport que les hommes, pour des raisons professionnelles, familiales, économiques aussi. Donc voilà, on a envie d'accompagner aussi cette pratique, et puis on a aussi envie de favoriser la pratique du vélo pour toutes les femmes, que ce soit dans une logique de mobilité douce et également d'émancipation. Donc voilà tout ce qu'on a envie de faire, FDJ partenaire du vélo à très haut niveau, mais aussi du vélo quotidien, donc partenaire du vélo. Merci Frédéric, je crois que vous pouvez applaudir à l'engagement de FDJ dans le sport féminin, mais pas que, et ça on l'aura bien compris. Et puis à vos côtés, eh bien, Frédéric, également Jeske Schoenhoven pour Suez, alors bienvenue, pour le coup c'est la première présentation. Pour Suez. Alors pourquoi justement avoir choisi le sport, spécifiquement cette équipe FDJ Suez? Bonsoir. Alors je voudrais d'abord commencer par rendre hommage, parce qu'en fait si nous sommes assis ici à la gauche de FDJ, c'est parce que beaucoup d'entre vous êtes des partenaires historiques de cette équipe, et c'est grâce à vous qu'elle existe. Donc je commence par rendre hommage, parce que c'est vous qui avez en fait rendu possible l'existence de l'équipe et puis notre présence. La deuxième chose, c'est ce partenariat, pour nous, c'est le fruit d'une rencontre d'abord. Une rencontre avec des jeunes femmes, des athlètes de très haut niveau, extrêmement enrichissantes, résilientes, déterminées. Et c'est donc une rencontre très forte. Et je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Marie, et elle m'expliquait que grâce à ce partenariat, ces jeunes femmes pouvaient faire de leur passion un métier. Donc vivre de leur passion. Et j'avais trouvé ça extrêmement émouvant. Émouvant parce qu'il y a non seulement deux Frédéric, mais aussi deux femmes PDG à la tête de nos entreprises
Elles sont toutes les deux engagées au service de la diversité. Je suis aussi papa de deux petites filles, Camille et Charlotte, qui sont quelque part là-bas. Et donc la cause féminine est importante pour nous, est importante pour moi, à titre personnel. C'est aussi un partenaire qui est la rencontre avec un manager d'exception, Stéphane. Suez est une entreprise de 44 000 personnes. Il y en a près de 60, je crois, dans la salle. Je les salue. C'est une entreprise qui est attachée à un management de proximité, un management humain, un management autour d'une raison d'être. Et on se retrouve dans le management de Stéphane. Et on apprend aussi du management de Stéphane, je dois dire. Et puis la dernière raison, c'est l'entreprise a une communauté de valeurs, je crois, avec FDJ Suez, avec l'équipe. Une communauté parce que d'abord, en 2022, c'était une nouvelle page du cyclisme féminin, avec ce fameux Tour de France qui était tant attendu. C'était aussi une nouvelle page pour l'histoire de Suez. 165 ans d'histoire, oui, mais des années turbulentes. Et Suez a commencé l'année dernière une nouvelle page, pleine de fierté et de détermination. C'est ensuite une équipe très diverse, internationale, beaucoup de profils. Nous aussi, nous sommes non seulement français, mais présents dans 40 pays, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en France, en Australie, autant de grandes terres du cyclisme, aussi en Chine d'ailleurs. Et j'ai en tête l'image de nos salariés chinois, dont certains ont été confinés pendant des semaines sur les sites, les stations d'épuration, notamment pour faire tourner l'eau dans les villes, et qui, pour se distraire le soir, faisaient du vélo avec le maillot Fermont. Et donc, international, cette équipe, on se retrouve aussi dans l'ancrage dans les territoires. C'est une équipe qui voyage, qui fait ses compétitions de ville en ville, de village en village. Et un peu comme cette équipe, nous sommes présents dans tous les territoires français pour y collecter des déchets, trier des déchets, produire à partir des déchets de l'énergie qui chauffe les maisons, pour transformer ces déchets en de nouvelles matières premières, et puis pour produire de l'eau pour les Français, pour assainir l'eau. Et le dernier point, et je termine là-dessus, c'est que c'est une équipe qui pétille, qui est pleine de fougue, qui est pleine de jeunesse, de résilience, de dynamisme. Et quand je vois le sourire de nos salariés, de nos data scientists, de nos agronomes, de nos biologistes, de nos chimistes, de nos responsables de centres de tri, de nos trieurs, de nos éboueurs, au passage de cette équipe, quand ils s'arrêtent pour quelques instants, eh bien je crois que ça nous rend heureux dans l'entreprise. Justement, vous êtes venu en nombre, vous l'avez dit, plus de 60 personnes présentes dans la salle. Ça représente quoi pour les collaborateurs de Suez, ce partenariat et cette équipe ? J'espère que ça représente à la fois une certaine fierté de voir le nom porté haut et fort. Suez is back, nous sommes là et bien là. Et puis c'est surtout une manière de rendre hommage à tous. Parce que de même que cette équipe parcourt les territoires, nous sommes présents partout, et c'est cette présence, cet ancrage qui nous rend fiers. Et donc c'est un immense bonheur que de pouvoir aussi saluer par ce partenaire-là le travail qui est accompli par les hommes et les femmes de l'entreprise au quotidien dans nos communautés. Merci beaucoup. Merci Frédéric Quentin, Frédéric Jeske-Schoenhoven. On vous laisse regagner vos places dans la salle pour profiter de la suite du programme. I can get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around, and now you keep going. L'équipe FDJ Suez, on l'a dit, s'exporte désormais à l'international. On témoigne d'ailleurs les 4 victoires déjà obtenues en ce début de saison 2023 en Australie avec Grace Brown, avec Lucia de Rest en ce début du mois de janvier, mais toujours en gardant les pieds sur terre. Et ça, c'est important. Et c'est aussi grâce aux collectivités qui continuent d'accompagner les ambitions. Ce projet né ici. Et pour en parler, je vous demande d'applaudir Jérôme Neveu, conseiller départemental de la Vienne, Philippe Lafrigue, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des sports, et Charles Robert-Chambillon, vice-président de Grand Poitiers en charge des sports. Bonsoir. Eh oui, ils vont aller en direction des vélos. Petite particularité ce soir, afin de joindre les actes pris depuis déjà de nombreuses années aux côtés de l'équipe, joindre les actes aux paroles que vous allez prononcer dans quelques instants. Alors vous pouvez pédaler, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment, sur ces home trainers avec ces beaux vélos Lapierre qui ont été disposés ici pour vous. On va commencer avec Philippe Lafrigue, la région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient depuis toujours le sport féminin, cette équipe FDJ Suez. Ce soutien va être récompensé, on peut le dire. On a un représentant d'ASO qui est là avec cet été une arrivée, l'arrivée finale d'ailleurs du côté de Pau.
Oui, effectivement. Eh bien, bien heureux d'être avec vous toutes et tous aujourd'hui et d'être toujours présent, bien évidemment. Je crois que la région Nouvelle-Aquitaine est là depuis le début de cette belle aventure. Et je crois que ben, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne fait que confirmer qu'on avait bien fait de venir avec Stéphane et toute l'équipe à l'époque. Et puis on continue, on est toujours présent. Alors comme on disait tout à l'heure, on n'aura peut-être plus notre nom en grand, mais on sera toujours là, bien évidemment, parce qu'on n'oublie pas tout ce qui a été fait. Et je dois avouer que cette équipe de la FDJ Suez est un peu un des fers de lance de notre région dans le sport. Vous savez que le sport féminin est important pour le président Rousset, pour toute l'équipe de la région, quelles que soient les tendances politiques d'ailleurs. Tout le monde est derrière cette équipe. Donc bien évidemment qu'on va continuer notre soutien. Merci en tout cas du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Côté département, Jérôme Neveu, l'équipe FDJ Suez, vous la connaissez peut-être mieux que personne, vous la suivez depuis toujours et très particulièrement. En effet, bonsoir à toutes et tous. Le département est le partenaire historique avec le Futuroscope de cette équipe. D'ailleurs, j'étais dans le bureau où ça s'est décidé, dans le bureau du directeur du Futuroscope à l'époque. Et c'est vrai qu'avec Gatien Merlot, on a senti... Ben voilà, il y avait de l'humilité, comme Rodolphe le disait tout à l'heure, mais aussi de l'audace. Et dans le pavillon, sur le territoire du Futuroscope, forcément, il faut beaucoup d'audace. Et on a tout de suite dit banco, parce que d'une part, le département est le partenaire historique du sport dans le département, dans la Vienne, et puis notamment du sport féminin. Donc ça, c'était important de suivre cette équipe. Et puis aussi parce que le service course est à quelques kilomètres d'ici, je suis obligée de le rajouter. Dans cette belle ville de Genet-Marigny, c'est vrai, et en termes de rayonnement, d'attractivité, c'est vraiment une belle image pour la ville. Oui, merci. Merci monsieur le maire de Genet-Marigny, vous l'aurez compris bien évidemment. Côté Grand Poitiers, Charles Reverchon-Billot, vous avez la chance d'avoir un territoire, on le disait, très attractif, très actif également. On parlait il y a quelques instants du Tour de France Femmes qui arrivera à Pau, ce sera le 30 juillet prochain. Cela ne vous donnerait pas des idées, à vous aussi ? Si, effectivement, bonsoir à toutes et tous. Alors, si on m'avait prévenu, j'aurais ramené mon cuissard pour faire cette interview, mais je suis vraiment heureux d'être là et c'est vraiment une fierté de pouvoir être à cette présentation de saison de l'équipe parce qu'en fait, on est très fiers à Grand Poitiers d'avoir cette équipe. Vous mentionnez le Tour de France, effectivement, c'est plus un scoop maintenant. On a candidaté, Grand Poitiers et la ville de Poitiers ont candidaté pour accueillir le Tour en 2024. Alors, en 2024, en 2025, on ne sait pas, mais en tout cas, ce serait vraiment une chance de l'accueillir parce qu'on a l'équipe FDJ Suez qui, certes, performe à haut niveau. On l'a vu cette année. Le clip de lancement était très émouvant, d'ailleurs, de pouvoir revoir ses victoires. Et performe à haut niveau, mais aussi est très ancré, Jérôme l'a rappelé, très ancré sur le territoire, très ancré auprès des jeunes. Et c'est aussi ce que nous défendons à Grand Poitiers pour le cyclisme féminin. Bien, écoutez, on suivra avec attention au mois d'octobre quand le parcours sera dévoilé. Si toutefois Poitiers, la Vienne et la Nouvelle-Aquitaine sont de nouveau à l'honneur, ça, il faudra attendre encore quelques instants. Je crois que vous pouvez les applaudir. Et vous le voyez ici avec l'équipe FDJ Suez, on ne fait rien comme les autres. Et voilà, vous avez pris place sur ces vélos. Je vous remercie. Vous pouvez les raccompagner, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements. Merci à vous. On va en profiter pour aller du côté de Lucas, qui va monter ce vélo. Lucas, tu as été équipé également d'un micro pour nous parler un petit peu de ton rôle de mécano. Tu n'es pas le seul dans l'équipe, bien évidemment. Le rôle des mécaniciens en course, il est important, je dirais même il est primordial. Car vous aussi, vous avez la pression, vous la ressentez, j'imagine, bien évidemment, auprès de l'équipe. Expliquez-nous un petit peu ce rôle de mécanicien. Bonsoir. Donc notre rôle, on est 4 mécanos dans l'équipe. On fait un roulement sur toutes les compétitions sur la saison. Et on a la pression. On essaie de pas la faire ressentir aux filles. Mais si le travail est bien fait, normalement, on arrive serein sur les courses et tout se passe bien en général. Alors là, qu'est-ce qu'il y aura à faire sur ce vélo ? Donc là, on avait prémonté pour avancer un peu le travail et faire le plus gros ce matin. Donc c'est terminé, donc mettre la selle, la chaîne, faire les réglages de dérailleur. Là c'est en train de faire une mise à jour, donc l'électronique travaille un peu pour nous maintenant. Et puis après la guidoline et faire le réglage de côte pour mettre le vélo aux positions. Mais écoute Lucas, on te laisse travailler, vous pouvez l'applaudir. Les applaudissements c'est pour lui mais c'est aussi pour tous ceux qui ne sont pas sur scène. Les 4 mécanos, l'ensemble du staff de cette équipe FDJ Suez. Alors le cyclisme... Oui, on en parle. On parle beaucoup d'une actualité également en France. Ce sera l'actualité en 2024, ce n'est plus un secret.
Paris, la France, Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Alors côté cyclisme, on va dire que c'est quelque chose de traditionnel. Le cyclisme sur piste, sur route, c'est depuis Athènes en 1896. Enfin, pas tout à fait. C'était le cas pour les hommes seulement. Les femmes, elles ont dû attendre longtemps, très longtemps. Les Jeux Olympiques route pour les femmes, ce n'était qu'à partir de 1984. Alors d'autres disciplines du vélo sont arrivées. Depuis, il y a eu le VTT Atlanta en 1996, le BMX du côté de Pékin en 2008. Mais il ne devrait pas y avoir de nouvelles disciplines cyclistes lors des Jeux de Paris 2024. Mais ce soir, l'équipe FDJ Suez a souhaité vous présenter l'une des quatre nouvelles disciplines de Paris 2024. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Camille et Alvin. Camille, qui est membre de l'équipe de France de breakdance.
Camille et Alvin, mesdames et messieurs, le breakdance qui sera donc une nouvelle discipline olympique dans un petit peu plus d'un an désormais. Alors Camille, voilà ton nom de scène, je ne sais pas si tu le sais, retourne-toi. Quelques instants, les gens vont comprendre, dans quelques instants, Pikachu est jaune, je crois que c'est ta couleur fétiche. Ce qui fait que tu as un grand point commun avec les cyclistes qui seront là tout à l'heure, car je peux t'assurer qu'elles ne rêvent que d'une chose, c'est du jaune qui est sur le maillot, notamment du Tour de France Femmes. Ça te fait déjà un grand point commun. Alors, beaucoup vont découvrir, peut-être découvrent ce soir, le breakdance. En tout cas, ce sera le cas l'année prochaine du côté de Paris 2024. Tu es membre de l'équipe de France, je le disais, l'une des espoirs de médaille, hein, on peut le dire très clairement. On le souhaite en tout cas. Trois fois championne de France, Vince championne du monde. Ça signifie quoi pour toi, ces Jeux Olympiques ? Bah, le fait que le breaking... Pardon ? Le fait que le breaking soit une nouvelle discipline olympique, pour nous, c'est incroyable. C'est vraiment historique parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Donc, c'est des nouvelles opportunités. C'est un nouveau rêve qui s'ouvre à nous, tout simplement. Eh bien, un rêve, rêver grand, c'est ce que l'on vous souhaite. Et puis, on surveillera bien attentivement les prochains Jeux et le tableau des médailles, bien évidemment. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, Camille et Alvin. Et à tout à l'heure, on va les retrouver, bien évidemment. Voilà, on va remettre la scène un petit peu en place et dans quelques instants, après cet interlude rythmé, eh bien, je vous propose de retrouver dans quelques secondes les désormais piliers de l'équipe. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Emmanuelle Merneau, présidente de la FDJ Suez, et Stéphane Delcourt, manager général de l'équipe FDJ Suez. Bon, on est d'accord, hein, Emmanuel, c'était juste pour le premier lancement. On va passer à Manu, directement, Manu Stéphane. Ouais, c'est mieux. J'imagine que c'est un plaisir de retrouver toute la famille, on peut le dire comme ça, FDJ Suez, ce soir, cet après-midi, pour cette journée. Évidemment, on est content d'être ici, chez nous, au Futuroscope, depuis 2006 maintenant, on vous accueille ici. Et merci le Futuroscope, merci Rodolphe de nous accueillir. C'est toujours un grand plaisir de venir ici pour cette ouverture du parc en février. Merci à tous nos partenaires historiques et nouveaux partenaires également, FDJ, Suez, merci les institutions, merci à tous et merci aussi à tous nos supporters présents ici et qui sans vous rien ne serait possible. Alors Stéphane, la saison 2022 a été tout bonnement exceptionnelle, des chiffres qui en disent long, 17 victoires dont la moitié, près de la moitié, 8 en World Tour, des victoires de prestige. On en a vu quelques-unes à l'image, hein, en préambule de la soirée, Épernay sur le Tour de France Femmes, mais également des monuments, la Flèche Wallonne, avec l'Amstel Gold Race, au sommet du Mont Ventoux, j'en passe, le Women's Tour. Il y en a beaucoup de ces victoires. Quatrième au classement final World Tour. Première, c'est seulement en ce moment. Le bilan plus que positif, hein, bien évidemment, Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que l'année 2022, comme l'a dit Marion, a été... l'année de tous les records, une année exceptionnelle, mais c'est avant tout l'année du sport féminin. Je pense que les temps changent enfin, le mot enfin, ou la place de la femme est enfin en train de changer dans la société. Le sport féminin fait de plus en plus vibrer, et le cyclisme féminin a pris vraiment une nouvelle mesure. Une nouvelle mesure parce qu'on a cet événement. On l'a vu fin 2021, et on en parlait en préambule de la présentation de l'année dernière, ce Paris-Roubaix. Il a fallu que les femmes affrontent cet enfer du Nord pour qu'elles soient encore plus reconnues. Et 2022, premier Tour de France Femmes, et encore merci à SO. Ça a été vraiment un événement exceptionnel. Et l'équipe à l'intérieur a vraiment pris le bon pli. On va dire qu'on a changé de braquet. Grâce à vous, ceux qui sont arrivés dès 2006, comme le disait Manu, et tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, une victoire exceptionnelle, c'est vrai, sur les pentes d'Épernay. Ce n'a pas été une journée très facile. Hein. Je vois Fred en face de moi. Elle était à côté de moi pour l'arrivée en haut d'Épernay, dans un contexte compliqué du Tour de France, parce qu'une journée avant, notre tour était terminé, il était fini. Mais c'est sans compter cette génération exceptionnelle que l'on a. Ces femmes de talent, ces femmes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Et ça s'est traduit par une victoire d'étape au Tour de France, mais
comme tu l'as dit aussi, deux monuments, nos deux premiers monuments avec Marta Cavalli sur l'Amstel, puis sur la Flèche, Grace sur la Vuelta. Je pense aussi à la Coupe de France FDJ avec la victoire au classement final de Marie et chez nous, à la Picto-Charentaise, avec une arrivée qui me... et un départ qui me tiennent à cœur, un départ de Poitiers et une arrivée à Châtellerault. C'était très important et je remercie encore Alain de nous soutenir depuis 2006 avec toutes ses équipes pour créer des événements. Et cette nouvelle génération de Françaises, que c'est vrai, on a des leaders étrangères de talent qui sont venus entourer un groupe et une génération de Françaises. Et quand vous voyez la victoire de Clara Copponi, par exemple, sur le Women's Tour, ça démontre cette capacité qu'on a à former et de collaborer ensemble. Et ça s'est traduit avec 17 victoires, de mémoire 75 podiums et un peu plus de 160 top 10. Rappelez-vous, il y a quelques années, il ne faut pas oublier d'où on vient. On parlait beaucoup de nos top 10. Aujourd'hui, l'équipe elle est montée en puissance grâce à vous, parce qu'on a travaillé dur et on a encore envie de vibrer avec vous pendant de nombreuses années. Alors toi, Manu, justement, en tant que présidente de l'équipe, membre de l'équipe également depuis 2006, comment tu la vis au quotidien cette saison ? Ben forcément, dans l'équipe, j'ai presque tout connu, c'est vrai, de 2006 à la création, mes 8 années de sportif jusqu'en 2013. Et puis ensuite, en 2013, je suis passée de l'autre côté de la barrière. J'ai intégré le staff, je suis devenue consultante, donc j'ai toujours eu un pied un peu dans le vélo. Et puis maintenant, je vois toujours aussi la progression de l'équipe, je vois aussi toujours le travail, que ce soit les bénévoles ou que ce soit le staff. C'est un travail important et de voir aujourd'hui où on en est, qui avait dit en 2006 l'équipe serait numéro un mondial aujourd'hui, bah, personne je pense dans la salle et moi non plus d'ailleurs. Et donc du coup c'est vraiment une fierté et je ne vais pas revenir sur la saison 2022, mais pour moi 2022 ça a été, les filles sont rentrées dans une nouvelle ère j'ai envie de dire, l'équipe a pris une nouvelle dimension. Et c'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Voilà, on est super fiers, super contents. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient et ce qu'on était au début. Et donc, du coup, voilà, la Vienne a toujours été là pour nous. On se souviendra du premier nom de l'équipe, Vienne Futuroscope. La région Nouvelle-Aquitaine aussi, toujours présente pour nous. Et puis, on est tellement bien ancré ici dans ce territoire et on a les racines bien profondes puisqu'on s'est implanté, comme on disait tout à l'heure, sur la commune de Jaunet-Marigny. Et le service course, il est là et il va y rester. Et je pense qu'on a encore de nombreuses choses à faire ici. Et ce qui est important, et c'est comme ça dans la vie aussi, c'est les valeurs. On sait d'où on vient et on sait pourquoi et on sait où on va aussi. Et je pense que les valeurs, c'est important dans la vie. Merci Manu. Oui, je crois que ça mérite vos applaudissements. Les valeurs, je crois que vous pouvez les applaudir d'ailleurs tous les deux, je sais qu'ils ne vont pas aimer ce que je fais là tout de suite, mais parce que c'est tout un quotidien, les chefs d'entreprise, elle a repris l'entreprise, Stéphane désormais se consacre à 100%, même à 2000% pour l'équipe, et l'équipe doit beaucoup à ces deux personnes qui sont là, je crois qu'on peut les applaudir encore. Alors Stéphane, si la saison 2022 a été tout bonnement exceptionnelle, 2023 démarre sur les chapeaux de roue, 4 victoires dont 3 en World Tour, l'une avec une nouvelle recrue également, Louche, numéro 1 au classement par équipe du World Tour en ce moment, mais c'est quoi votre secret ? Il n'y a pas de secret. Hein. C'est clair qu'on a travaillé dur et 2023 doit être l'année de la confirmation. Et au mois de novembre... Voilà, une partie du staff est restée avant de partir en vacances pour se dire comment on peut continuer cette dynamique avec ce groupe exceptionnel. On a peu de mouvement, vous le verrez tout à l'heure, et on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à partir vite. Donc pour ça, on a eu la chance en 2022 de créer deux pôles de compétences qui sont le pôle performance, vraiment dirigé par Flavien qui nous a donné un gros coup de boost, et le pôle médical par le docteur Touquet. On a mis en place beaucoup de choses pour respecter notre protocole de progression et surtout mettre toujours l'humain au centre. Et dès le mois de novembre, on a décidé de travailler très très dur et de se dire on va en Australie et on doit en remporter une tout de suite. Il faut qu'on arrive à la présentation avec une victoire. Après, c'est vrai qu'on a des athlètes comme Grace Brown, c'est un peu plus facile dès le début, même si ça a été des nuits courtes pour une grande partie du staff avec le décalage horaire. Dès le championnat d'Australie, on a vu qu'on était bien. Première étape d'Australie, on fait seulement deuxième. Mais avec un travail exceptionnel au niveau du collectif, et nos deux recrues, ils sont pour beaucoup. Tout de suite, on a senti encore la même dynamique que l'année dernière, beaucoup de solidarité entre elles.
Grace. Après, elle a fait du Grace Brown sur la dernière étape. Elle s'est laissée, on va dire, légèrement décrocher dans la montée finale. Et puis après, une fois que la route descend, même s'il y avait 15, 16 secondes, ben on sait qu'elle est capable d'emmener plus de braquets et rouler beaucoup plus vite que les autres. Et après, à la conclusion, un vrai travail d'équipe. Après, sur la Cadel Evans, pour moi, c'est une vraie victoire accomplie qui rassemble. Ce jour-là, Grace est leader du World Tour. Elle a le maillot de leader, mais elle n'est pas dans un grand jour. Ça arrive, même Grace Brown a des jours sans. Ce n'est pas un robot. Et dès la première montée, on le voit, elle n'est pas là. Elle bascule loin, mais on gagne le grimpeur avec Luce. Et derrière, après, c'est tout un travail de collectif qui se remobilise. Et toute l'honnêteté de Grace de dire au directeur sportif et à ses coéquipières qu'elle n'est pas au top et dire « je vais me sacrifier » pour Luce qui est la plus forte. Et avec Victory sur le dernier tour, alors que Clara, Eugénie et Gladys ont beaucoup bossé, bah, Luce prend ses responsabilités et avec beaucoup de sang-froid. Et là, elle m'a surpris vraiment dans le dernier kilomètre pour aller battre Amanda Spratt et remporter la quatrième victoire de l'équipe et sa première victoire au World Tour pour celle qui était encore que quasi amatrice l'an passé. Donc on voit l'effet, on va dire, de cette saison 2022. Mais voilà, on met un peu les compteurs à zéro. Pour la saison européenne, on va dire. Moi, ce que je retiens là dans tes propos, Stéphane, c'est que Grace peut avoir un jour sans. J'en déduis, bien évidemment, que Annemiek van Vleuten aussi peut avoir un jour sans. On va se retourner du côté de Lucas. Lucas, dis-nous un petit peu ce travail d'équipe, on en parle. Ça passe aussi par le staff, par les mécanos. Tu en es où un petit peu là du montage ? Ça avance. Ça va. Je prends mon temps pour faire les choses bien, et puis on verra à la fin ce que ça donne. Mais on reviendra tout à l'heure voir Lucas, lauréat du concours régional de la Coupe Mulet. Je te dirai pas d'où ça vient. Merci Manu, merci Stéphane, vous allez rester avec nous pour la suite, vous allez rester à mes côtés justement, on a parlé déjà plusieurs fois depuis tout à l'heure du Tour de France Femmes qui arrivera, on le rappelle, en Nouvelle-Aquitaine, qui a été et qui est un réel accélérateur pour le cyclisme féminin et nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Florent Garrigou, directeur commercial et partenariat adjoint pour AESO qui va nous rejoindre mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Florent Garrigou. D'échapper au home trainer quand même, hein. Il vient de me dire que... Faudra dire merci à Manu. Merci Florent d'être parmi nous. Ce premier Tour de France Femmes a été réellement un succès populaire indéniable, à la fois sur le bord des routes, aussi derrière les écrans. Oui, je crois qu'il est bien né, même si c'est une renaissance. L'idée maintenant, c'est qu'il ait la même histoire que le Tour de France masculin. La première édition, effectivement, fut un succès médiatique. 2,2 millions de personnes tous les jours devant leur écran, jusqu'à 3 millions, enfin 3,3 en moyenne sur la dernière étape, jusqu'à 5 millions en pic. Pour vous donner quelques repères, c'est plus que la finale dames de Roland-Garros, c'est plus que l'Euro féminin de foot. Donc on est vraiment sur des niveaux importants d'audience. Maintenant, l'idée, c'est de progresser, c'est de faire de toujours mieux. Ce fut aussi un succès au bord des routes, je crois. On a vu du monde au bord des routes. On était parfois surpris même d'avoir tout ce monde. On a eu cette idée d'avoir des zones d'animation sur chacune des villes départ à proximité des coureuses pour que le public puisse avoir accès aux coureuses. Je crois aussi qu'il faut faire ce Tour de France femme une spécificité, pas chercher à faire un copier-coller du Tour de France masculin, amener aussi l'innovation. C'est encore possible, c'est pas toujours possible chez les hommes, c'est possible sur les femmes. Donc l'idée, c'est ça aussi, d'innover. Je pense aussi à ce qu'on a fait dans les voitures directeurs de course où il était possible de suivre les commentaires directeurs de course en direct sur France Télévisions. Voilà, on a envie de tester des nouvelles choses et on a l'intention de continuer. Comme je le disais, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes à chaque départ de course, chaque départ d'étape. Moi, j'ai en tête le départ à Reims, qui était incroyable. Et on a bien l'intention de continuer dans la région cette année avec effectivement une arrivée en Nouvelle-Aquitaine. Manu, côté médiatisation, justement, on peut te poser la question. Hein. Tu peux en parler. Tu as commenté plus de 40 jours de course, hein, il me semble, la saison dernière sur les antennes d'Eurosport. Comment tu la vois, justement, cette évolution dans les médias du cyclisme féminin ? Bah, plutôt bonne, parce que c'est vrai que la médiatisation du cyclisme féminin, bah, ça va avec l'évolution du cyclisme féminin. En 2006, clairement, il y avait zéro jour de télévisé. Maintenant, on est à plus de 150 jours de course
de télévisé dans, en France, enfin dans le monde entier, partout. On voit du cyclisme féminin partout, que ce soit sur Internet, dans les réseaux sociaux. Donc ça fait plaisir. L'évolution ne peut être que montante, puisque de plus en plus de chaînes nous suivent et je vais être encore là pour commenter les filles. Et ça me fait plaisir à mon tour de développer le cyclisme féminin à cette façon et je suis contente. Stéphane, justement, on parlait là d'Eurosport il y a quelques instants. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le regarder le plus rapidement possible parce qu'Eurosport avait suivi justement l'équipe lors de ce premier Tour de France femmes de l'ère professionnelle. Qu'est-ce qui a changé selon toi depuis ? Ce qui a changé, c'est le respect. Alors, le respect du peloton et ce film a montré aussi que c'était avant tout une aventure humaine, c'est qu'il y avait un gros staff derrière. C'est vrai qu'il va ressortir le 24 de mémoire, le 24 février en 19 langues. On le voit, on en parlait avec les filles hier. On était chez FDJ où plus de 300 collaborateurs étaient à nos côtés pour signer des autographes, pour avoir le maillot de l'équipe. C'est un vrai succès populaire et je remercie encore ASO de nous avoir permis de le mettre en place. Et c'est une reconnaissance vraiment de ce qu'a fait au quotidien, ce qu'a travaillé très dur, mais c'est que le début. Hein. Ce qu'on voit aussi, c'est que des sponsors viennent aujourd'hui pour le cyclisme féminin. Ce fut le cas d'FDJ, hein, qui nous accompagnait sur la course bail dès le départ. Des gens comme Zwift aussi, qui sont venus sur le Tour de France Femmes. Mais les sponsors hommes aussi arrivent sur l'épreuve, donc elle ne peut que grandir, que grossir. L'idée, c'est de le faire progressivement, parce que je crois que c'est aussi un écosystème qui doit grandir. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques années, les filles n'étaient pas professionnelles nécessairement. C'était compliqué pour elles de mener les deux projets de front. Donc l'idée, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire dans les prochaines années. Justement, cette économie, on va en reparler dans quelques instants. Merci Florent d'avoir été avec nous. Florent Garrigou, directeur commercial et partenariat adjoint pour ASO. Merci. Et Stéphane, je le disais, cette économie, elle est importante. Il y a cette évolution grandissante du cyclisme féminin qui impacte aussi l'équipe FDJ Suez. Oui, vous êtes plus de 107 partenaires à nous suivre. C'est plus de 500 fans aussi dans le club supporter. Chacun contribue. C'est vrai que depuis le Tour de France, c'est un peu plus facile. Hein. Je pense à tous les rendez-vous qu'on a fait avec Gatien avant et Jean-Paul. C'était un peu plus compliqué pour séduire des partenaires. Maintenant, on a cette chance que beaucoup de partenaires veulent nous suivre. Et après, il faut rester compétitif. Parce que là, on a mis la barre haute et on a besoin d'être compétitif sur des concurrents qui aussi savent très très bien travailler. Et évidemment, les salaires explosent et les besoins aussi, on vous l'avait dit, avec Lucas, ils sont maintenant 4 mécanos. C'est plus de 38 salariés et je pense qu'on sera très vite à 40. Et pour ça, on est en sans cesse recherche de partenaires pour séduire de nouvelles entreprises. Et c'est vrai qu'on va profiter d'aujourd'hui pour annoncer un nouveau partenaire qui va nous rejoindre dès le prochain Paris-Roubaix. On a besoin vraiment de ça pour continuer notre progression. On a envie d'être vraiment encore plus fort. Et mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et même une ovation pour Philippe Lolani, directeur général de CB. Bonjour Philippe, bienvenue, je me permets, bienvenue chez FDJ Suez, bienvenue ici. On vous avait promis des surprises hein, tout au long de cet après-midi, et c'en est une, en effet. Alors parlez-nous un petit peu de vous, dites-nous ce qu'est CB. Bonsoir à toutes et tous déjà, et merci de nous accueillir. Donc qu'est-ce qu'est CB ? Vous en avez beaucoup dans votre poche de CB, c'est carte bancaire. Et c'est donc en fait une histoire très française, très ancrée dans notre territoire, depuis 40 ans. C'est Pierre Bégreux, qui a donné l'impulsion. Et en fait, c'est un succès français. La carte à puce, ça a été inventé par les Français. Et donc aujourd'hui, CB, ça rassemble toutes les banques, toutes les industriels du paiement en France, aussi toutes les fintechs, la moitié des startups françaises sont dans les fintechs de paiement. Et donc c'est un écosystème auquel, bien sûr, s'associent les commerçants. Et Française des Jeux est un grand e-commerçant qui travaille beaucoup avec CB. Et donc CB, c'est 74 millions de cartes dans vos poches. C'est deux tiers de ce que les ménages français consomment chaque jour en consommation.
c'est 14 milliards de transactions et 7 milliards de sans-contacts. Là, on a pris le geste pendant le Covid, qui est devenu un geste sanitaire aussi. On a fait tout ça très rapidement pour essayer de sécuriser tout. C'est de la sécurité, de la fraude. C'est aussi un quart des paiements en Europe. Et donc, c'est très important et c'est un écosystème, j'ai entendu le mot précédemment. Et donc, ce que CB représente, c'est un écosystème industriel, commercial, régulateur, territorial, souverain. Alors, ce mot revient à la mode, hein, bleu, blanc, rouge, un peu, il faut le dire. Et donc, c'est un cycle de 40 ans d'innovation et de souveraineté qui, aujourd'hui, se porte dans le paiement mobile. Votre carte, elle va du sans contact au mobile. Et donc, on va avancer sur les routes de Paris-Roubaix, du Tour de France, et puis aider... j'espère cette belle histoire commencée en 2006 ici. Justement, pourquoi avoir choisi le cyclisme féminin et plus particulièrement cette équipe FDJ Suez ? Alors, j'ai entendu Emmanuel et Stéphane et que le mot valeur. À la base, c'est même avant le sport, même avant les sponsors, c'est l'esprit et les valeurs. Les valeurs de la création, de l'innovation, parce qu'il fallait se lancer, hein, ils l'ont fait. Les filles, aujourd'hui elles sont premières mondiales, elles y sont arrivées pour, c'est avec l'année dernière des hauts et des bas, ça a été raconté. Et puis c'est les valeurs du cyclisme ou en fait les valeurs territoriales, la Tour de France, le Tour de Bretagne, la partie Paris-Roubaix, enfin on peut couvrir le territoire et nous toutes les banques comme ça pourront s'y retrouver, tous les acteurs. C'est démocratique aussi, le bord des routes, c'est pas des billets, on peut voir, on peut toucher. C'est RSE. C'était important que ça soit Française des Jeux ou Suez. Enfin, on est tous attachés à ça aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, ça porte toutes ces valeurs. Et bien sûr, la montée en charge du sport féminin d'élite, parce qu'à la convergence de l'individualité et du collectif, puisque c'est à la fois des individualités et c'est une équipe. Et c'est ça qu'on aime. Et donc, autour de sport féminin, équipe, on a tout. Autour des sponsors, nous, on avait tout. Française des Jeux est dans le top 15 de nos clients, de ceux qui portent les paiements innovants. Suez est dans le recyclage et on est très attachés, en particulier les banques et les industriels du paiement, les puces, il faut pas, on va faire des filières de recyclage autour de ça. Et les locaux, moi je me rappelle Monori, j'ai connu Monori, Pebro, Breton, Thierry Breton, ici au Futuroscope, c'est une histoire et cet ancrage dans le territoire, c'est cette valeur aussi qu'on recherche. Et pour finir, les valeurs de Stéphane et d'Emmanuel et de leur équipe et ce qu'ils inculquent à leur équipe, c'est sans doute pour nous le plus important. Donc nous sommes fiers, heureux et avec toute l'énergie qu'on pourra apporter dans l'écosystème carte bancaire français pour pousser et donner toute la réalisation des ambitions et des rêves d'Emmanuel, Stéphane et des équipières de Française des Jeux, Suez et maintenant CB. Une équipe qui va gagner, j'en suis sûr. Et avec les Jeux Olympiques, tout est possible derrière. Merci beaucoup, Philippe Lolani. Je crois que vous pouvez l'applaudir. C'était une annonce. On vous laisse regagner la salle. Manu, Stéphane, vous allez rester avec nous encore un petit moment. Restez ici. Parce qu'on a vu beaucoup d'acteurs, pas tous encore, mais il y en a que l'équipe avait aussi envie de mettre à l'honneur. Ce sont tous les supporters qui sont bien fidèles, bien sûr, depuis 2006, au bord des routes que l'on retrouve avec les maillots et tout cela. Et avant de retrouver justement les filles de l'équipe dans quelques instants, eh bien, je vous propose de participer à Question pour un champion, ou une championne, bien évidemment. En tout cas, un quiz, voilà, va vous être proposé. On va tirer au sort dans la salle 4 personnes parmi vous. Et on va voir eh bien, qui saura répondre au mieux aux questions concernant, bien sûr, l'équipe FDJ Suez pour gagner un maillot dédicacé de toutes les filles de l'équipe. C'est ça, hein, Stéphane ? C'est ça. Eh bien, place aux lumières. Qui va participer avec nous à ce quiz ? Il y en a qui s'enfoncent dans les sièges. Il n'y a pas de question de piège. Ne vous inquiétez pas. J'ai le droit de choisir une personne ? Oui, mais pas Cassien. C'est trop facile. Alors, qui va nous rejoindre ? Monsieur, si vous êtes dans la lumière, c'est que vous avez été invité à venir avec nous. Alors, vous pouvez les applaudir, les encourager. Je vous assure qu'il n'y a pas de question piège.
Ouais, n'hésitez pas à les applaudir. Bienvenue. La roule ma poule, vous êtes prête. Alors, comment vous appelez? Xavier Ancelin, Marie et Paolo. Je vais essayer de retenir les quatre noms, mais alors ça, je ne vous le garantis pas. Bon, un buzzer. Vous avez compris, je vous laisse vous placer autour du buzzer. Je vous assure que les questions sont faciles. Je vous invite à vous placer autour du buzzer. Le premier ou la première qui a trois bonnes réponses remportera le lot qui sera remis donc par Stéphane et Manu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question. Alors, on ne souffle pas dans la salle, hein. Bien évidemment. Mais vous pouvez les applaudir, bien évidemment. Première question. Quelle coureuse de la FDJ Suez, bah oui, quand même, on va parler de l'équipe, a remporté la Flèche Wallonne en 2022? Martha. Martha Cavalli, bonne réponse. Une bonne réponse. Allez, deuxième question. Ah oui, il va falloir être rapide, hein. Où est situé le centre de performance de FDJ Suez? À Genève-Marigny. Bonne réponse, Genève-Marigny. Ah oui, on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est pour voir ceux qui ont été attentifs depuis le début de la présentation. Allez, autre question. Troisième question. À quelle position a terminé l'équipe FDJ Suez au classement final du Women World Tour en 2022? Quatrième position. Ouah, avance, ici. Xavier, 2 points pour Xavier. Attention, ça peut être la dernière question. C'est 3 points, on le rappelle, pour remporter le maillot. On peut rajouter un joker sur cette question. Qui sont les deux recrues de la saison 2023? Le joker, ce sera pour la prononciation. Gladys Verluch. Désolé pour la prononciation. Et Louche... Adorest. Louche Adorest et Gladys Verluch. Et en plus, niveau prononciation, c'est parfait. Bravo. Ça a été très rapide, hein, je crois, qu'on a notre vainqueur. Bravo, Xavier. Bravo à vous, bien évidemment. Voilà, c'était la petite surprise aussi. Alors, Manu, Stéphane, c'est vous qui avez le lot. Est-ce qu'on a déjà un vainqueur? On ne l'a pas. Ah. Mais on va bientôt l'avoir. Je vois que ça court. Alors, c'est une semaine en pension complète chez Stéphane et Manu, finalement. Stéphane fait bien la cuisine. Oh, et en plus, c'est le maillot, le nouveau maillot Gobic d'entraînement. Merci, alors là, ça, c'est collector, parce qu'il n'est pas encore commercialisé, je crois. Exactement. Voilà, on avait encore merci à Gobic, et je remercie Gabriel qui est venu d'Espagne aujourd'hui pour la présentation. C'est le, voilà, on a tenu à faire un maillot pour renforcer la sécurité sur les routes. Vous êtes beaucoup d'automobilistes, c'est un message fort. Prenez soin de nos cyclistes. Qu'ils soient compétiteurs, amateurs ou qui font du vélo taf. Je pense qu'il faut vraiment tous qu'on fasse très très attention. Et voilà pourquoi on a fait ce maillot-là, un maillot qui doit être vu de tous et pour renforcer encore tous nos efforts pour la sécurité. Et encore bravo, Xavier Fradé. Bravo à tous les quatre. On vous laisse regagner la salle. Profitez de cette présentation. Manu, peut-être également les raccompagner. Tu restes avec nous si tu veux. Manu va aller profiter eh bien, depuis les gradins de ce qui va suivre, puisque Stéphane, je crois que c'est le moment. Désormais, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez toutes et tous arrive enfin. Nous accueillons maintenant les cyclistes de l'équipe FDJ Suez. Allez, la première, Louche Adorest, l'une des nouvelles recrues de la FDJ Suez. Premier tour en World Tour, elle offre déjà la victoire sur la Cadel Evans en Australie. On continue avec Gladys Verhulst, nouvelle recrue normande, expatriée du côté de Nice, qui a remporté la Veenendaal classique. On continue cette fois-ci avec Clara Copponi, la sprinteuse, la pistar de regard tournée vers Paris 2024, qui a brillé en World Tour également sur le Women's Tour et qui sera du côté des championnats d'Europe la semaine prochaine. La star de l'équipe avec le maillot de championne du Danemark, elle s'est imposée à Épernay sur le Tour de France Femmes, c'est Cécilie Uttrup-Ludwig. L'autre leader de cette équipe, 3 victoires de prestige, l'Amstel, la Flèche Wallonne, le Mont Ventoux dénivelé, challenge 2e du Giro, derrière Van Vleuten, Martha Cavalli.
Et on continue avec Evita Music, la franc-comtoise qui a brillé sur le tour de Burgos, deuxième de l'étape des chemins sur le tour, huitième au classement général du Tour de France Femmes. Maëlle Grosse Tête, elle a 24 ans, elle fait pourtant partie des plus anciennes de l'équipe, elle entame sa sixième saison, une saison préparée dans les sous-bois. On continue avec la locale, huitième saison dans l'équipe, elle a remporté le classement de la montagne sur le dernier Bretagne Ladies Tour, Victoria Gilman. Et on enchaîne avec Eugénie Duval, c'est la plus fidèle de l'équipe, elle l'a vu grandir et prendre sa place dans l'échiquier mondial, elle est présente dans l'effectif depuis 2015. On continue avec la championne du monde sur piste et du contre-la-montre espoir, elle a remporté le classement général du Bretagne Ladies Tour, Vittoria Guazzini. On continue avec Jade Viel, sortie des rangs juniors. Elle a endossé le maillot bleu, blanc, rouge après deux hivers compliqués. Elle est prête à tout casser désormais, Jade Viel. On continue avec Steve Borgli, arrivée comme leader en 2019. Elle s'est muée en équipière modèle au fil des années. Steve Borgli. On continue avec Marie Lenette, plus combative de l'étape, qui s'est terminée à Rosheim sur le Tour de France Femme. Elle a remporté le classement général de la Coupe de France FDJ en s'imposant notamment sur la Picto Charentaise. Et on termine avec Emilia Fahlin, vice-championne de Suède, un titre qu'elle avait obtenu à deux reprises par le passé, qui entame sa 17e saison professionnelle. Et il y en a une qui est avec nous par la pensée, c'est Grace Brown. On le disait, elle a déjà remporté 3 victoires, 3 des 4 victoires de ce début de saison. Elle est restée quelques jours en Australie après l'ouverture. Et puis l'équipe de direction sportive, mesdames et messieurs, Nicolas Maire va nous rejoindre. Également avec vos applaudissements, bien évidemment. Il est tout bronzé. Allez, Cédric Barre nous rejoint avec vos applaudissements. Et puis on va accueillir celui qui a été recruté l'an passé, directeur de la performance, Flavien Souhelen. Voilà Stéphane, installe-toi. Ça vous êtes bien Jade ? Ouais, ça. Tranquille, Jade, Clara, Maëlle. Stine, bien installée. Vous le voyez, quelques-uns ont également un micro. On va commencer avec Martha. Martha, alors déjà, une première question. Comment vas-tu? First, Martha, how are you? I'm fine, thanks. It's good. Je vais bien, merci. Évidemment, on lui pose par rapport à sa saison l'année dernière compliquée. Quelle saison 2022, justement, de monument, ta victoire au Mont Ventoux, ta deuxième place au classement général du Giro. Qu'attends-tu de plus pour la prochaine saison? What an amazing season. Last year, 2 monuments, you win on the top of the Mont Ventoux, your second place of on the GC of a Giro. What more do you expect for the next season? Yeah, it's hard to say what more I can expect, but... C'est compliqué de dire ce que j'attends de plus. Yes, the goal is to confirm again this level, and I think... L'objectif sera bien sûr de confirmer. I can enjoy the new races. Et puis voilà, tout simplement profiter également des nouvelles courses. On va se retourner du côté de l'écran. Une image pour Marta. Fondamentale per arrivare qua sotto il traguardo, l'ha messa nel mirino. Splendida testa a testa. Va Marta Cavalli, affiancata da Mikko Vleuten. Attenzione al testa a testa, mette la bicicletta davanti, rilancia ancora una volta Marta Cavalli e lei, la principessa delle Ardenne. Marta Cavalli, dopo l'Amstel, fa su anche il muro di Huy. Cette victoire sur la Flèche Wallonne, le mur de Huy, Martha, what's your feeling when you see this movie? Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle voit ces images? Yeah, it's a crazy feeling because every time I see this video... C'est une video, sensation incroyable à chaque fois que je vois cette vidéo. In my mind, I have all these emotions. Je ressens encore toutes les émotions. I can remember each single moment after the finish line. When je me rappelle de tous ces moments après... avoir franchi la ligne. All the team super happy around me. Toute l'équipe était super heureuse autour de moi. We share a really emotional moment and it was so special and this is one of the reasons. Avec beaucoup d'émotions. One of the reasons why I would like to confirm the level because I want to feel again this emotion.
Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles elle veut confirmer cette année pour ressentir à nouveau tout ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Another question, what's your feeling just before the start of your season if you have to win only one race? Which race would it is? Si elle devait gagner qu'une seule course, comment elle se sent au début de la saison? Et si elle ne devait gagner qu'une seule course, laquelle ce serait? For the moment, I don't feel stressed. I'm good. I'm looking forward to the first race. Pour l'instant, je me sens bien. Je suis pas stressée du tout. J'attends juste de pouvoir commencer ma saison. And if I to choose, maybe Liège. Et si on avait une, voilà, ce serait Liège. Voilà, les ambitions sont dévoilées désormais pour Marta Cavalli. Voilà, je crois que vous pouvez l'applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs, Marta Cavalli. Non, c'est sûr que remporter deux des Ardennaises l'année dernière et faire deux de Liège, il ne faut pas l'oublier, ça nous donne encore plus d'envie. On a plusieurs cartes pour pouvoir remporter ce genre de course. Et je sens aussi l'excitation de nos directeurs sportifs et directeurs de la performance, parce que pendant des années, on allait sur ces Ardennaises avec l'envie et on faisait tout pour les préparer, mais c'est vrai que petit à petit, on a eu envie de les remporter. On a été à quelques centimètres, on va dire, avec Cécilie, de le remporter. Et maintenant, on sait qu'on peut le faire et je pense qu'on a plusieurs cartes pour aller jouer sur ce genre de course. Merci Martin, on va passer à Evita. Evita, tu es un exemple du travail de formation. C'est vrai, une particularité, on n'en a pas encore parlé ce soir, mais pour la première fois depuis la création de l'équipe, il n'y a pas de coureuse de moins de 23 ans dans l'effectif, mais toi tu es arrivée bien toute jeune dans cette équipe, tu es encore toute jeune bien évidemment. Donc ce travail de formation sur le long terme, tu l'incarnes également, et toi personnellement aussi, tu franchis les paliers les uns après les autres, comme l'enchaînement pardon, également du Giro et du Tour de France la saison dernière. Comment vois-tu la suite? Eh bien, tout d'abord, j'espère continuer ma progression comme elle a été jusqu'à maintenant. Je pense vraiment avoir franchi les paliers petit à petit et aussi grâce à l'équipe et qui nous mettent dans les meilleures conditions. Et j'espère continuer d'apprendre auprès des leaders pour aller chercher aussi les meilleurs résultats et chercher encore plus de victoires. Tu étais bien évidemment sur le Tour de France Femmes qui arrivait d'ailleurs chez toi, devant tes proches, ta famille, la planche des belles filles. Raconte-nous un petit peu ton expérience de ce Tour de France Femmes avec Zwift. C'est vrai que c'était vraiment un Tour de France magique. Je pense qu'on est passé vraiment par toutes les émotions et c'est ça aussi qui a été beau. Et forcément, j'avais vraiment hâte de faire ce tour avec l'arrivée dans ma région. C'était vraiment quelque chose de particulier d'avoir toute ma famille, mes proches et beaucoup d'amis qui étaient là pour m'encourager sur le bord de la route. Donc j'ai essayé de donner le maximum et j'ai vraiment savouré chaque moment. Et alors, est-ce que, justement, une petite question comme ça, bonus, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'on te reconnaît plus dans la rue, que sais-je? Non, on ne me reconnaît pas encore dans la rue. Je pense qu'il y a encore un peu d'étapes pour ça. Mais on va dire que vis-à-vis des gens qui connaissent un peu plus le vélo, oui, forcément, le Tour de France, ça parle beaucoup plus. Et maintenant, quand on me pose la question, je pourrais dire que oui, j'ai fait le Tour de France. Merci, Evita. Vous pouvez l'applaudir. Cécilie. Yay, that's me. Cécilie, bien évidemment. Alors déjà, on ne peut que la féliciter. Elle sait que je vais aller sur ce terrain-là, mais pour la victoire du Danemark face à l'équipe de France en hand le week-end dernier, oui, la France a perdu. Congrats for the Danish team in handball. Thank you. I'm sorry, France. Tu n'as pas à être désolée, bien évidemment. But you are in a French team. With the Danish jersey, and you ride since June with this jersey. It's a nice mix. Yeah, I love that. Yeah, and I really like wearing my flag every single day. Yeah, it means a lot to me. Voilà, comme elle dit, elle aime porter ce maillot. Je lui disais, t'es dans une équipe française avec ce maillot de championne du Danemark. Forcément, c'est un joli mélange et elle confirme cela. Bien évidemment, on va regarder aussi quelques images. Je propose qu'on regarde le cadre de screen. Pour les
Jumbo Visma rider, but Kashi Enyuviadoma decides that she's going to go early. 300 meters to go now for Kashi Enyuviadoma, but Mariana Voss is right there, as is Ashley Moorman-Passione, Lisa Longa Borghini. Enyuviadoma has gone early, looking to try and use that endurance, but Voss is poised and ready. So is Ashley Moorman-Passione. Moorman-Passione moves through on the outside. Utrup Ludwig is also there. Mariana Voss, though, launches the move. Can she take the stage win in the yellow jersey? But here comes Cecily Utrup Ludwig in the Danish champion's jersey. After a day of disaster yesterday, it's going to be victory for FDJ Suez for Churras Goat. And Cecily Utrup Ludwig takes an absolute... Wow, what's an amazing win. What are your feelings right now? Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? I mean, brings so many emotions, especially because the day before. Voilà, j'ai ressenti énormément d'émotions parce que justement la journée d'avant était terrible. Yeah. So, and the whole team was just so happy. Yeah. It was very emotional. Était tellement heureuse. Yeah, very emotional. C'était voilà beaucoup d'émotions pour Cécile. J'ai l'impression qu'il y a de l'émotion. Elle en a encore rien que là au moment de d'en parler. Tell us about this Tour de France. You finish at the seventh place on the GC with this win in Épernay. Has it changed something in your life? Voilà, parle-nous de ce Tour de France. Tu as terminé septième au classement général. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Well, I don't know if it has changed anything in my life, but it was. I think it changed a lot in women's cycling. And it was huge for us women to finally have a Tour de France. Est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a changé énormément pour les femmes dans ce cyclisme. Et c'était voilà incroyable ce changement pour les femmes. Yeah, and for me, it was a roller coaster experience. But we lived it through the team, and it was just so nice to see how we were, you know, together in this. Voilà, c'était tout simplement les montagnes russes hein, émotionnelles avec tout ce qui se passait dans l'équipe. Yeah. Thank you, Cécilienne. Une autre question, just one question more for you, Cécilie. You've discovered the program of the next Tour de France last October. Which stage inspired you the most? Quelle étape t'inspire le plus dans le tracé du prochain Tour de France? Well, I'm looking forward to the Tourmalet. but I'm actually also excited for the time trial at the end. Voilà, elle dit bien évidemment, je regarde du côté du Tourmalet, mais je suis aussi impatiente d'être du côté du contre-la-montre final à Pau. Bravo, merci. Thank you very much. Thank you. Et Gladys Verhulst, on le disait, c'est l'une des nouvelles recrues qui a contribué aux victoires hein, du côté de l'Australie il y a quelques jours de cela. Alors tes premiers tours de roue justement au World Tour, première course avec l'équipe, deux victoires en tant que coéquipière. Quel début de saison, comment ça se passe pour toi, l'intégration dans cette nouvelle équipe? Mais je pense que l'intégration s'est plutôt bien passée, il faudra demander aux filles, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. On a vécu vraiment de très bons moments en Australie avec les victoires de Grace et de Luce. C'était vraiment de très beaux moments à partager avec les filles et je pense qu'on ne pouvait pas commencer un début de saison d'une autre manière qu'on l'a fait. Alors on n'a pas parlé forcément des championnats de France encore, mais on peut le dire. Tu es une femme de championnat, trois fois deuxième, derrière Audrey, traditionnellement depuis 2017. Le maillot, un an sur deux, alors ce n'est pas une obligation, on peut le gagner tous les ans hein, du côté de FDJ Suez, mais un an sur deux, ce maillot bleu-blanc-rouge revient à l'équipe. Les années impaires, ce ne serait pas un signe ton arrivée dans l'équipe, alors que cette année, justement, normalement, c'est l'année FDJ Suez. Je ne sais pas si c'est un signe ou pas. Après, c'est sûr que c'est une course qui me tient à cœur. Je pense que c'est une course qui tient à cœur à toutes les Françaises. Après, voilà, on verra ce que ça donnera en juin. Mon Cassel, je pense que ça peut nous convenir pour chacune de nous toutes. Donc voilà, après, c'est sûr que oui, je rêve d'un maillot bleu-blanc-rouge, mais on verra la suite au mois de juin. Oui, et puis beaucoup en rêve. On pense aussi beaucoup à Victorie avec un parcours pour cette femme de championnat aussi qui pourrait être tracée pour elle. Elles seront nombreuses à pouvoir prétendre à ce maillot bleu-blanc-rouge. Je crois que vous pouvez les applaudir, hein, toutes les filles de l'équipe. Et je crois qu'on a parlé du travail d'équipe plusieurs fois hein, tout au long de cette présentation de cet après-midi et également avec Nicolas. Bon, une saison plus que réussie en 2022, c'est quoi l'état d'esprit? Alors 2023 commence bien, mais est-ce qu'on a plutôt peur de faire moins bien ou au contraire, on a très très envie de faire encore mieux? Peur, non, je pense que c'est pas ce qui nous caractérise. Je pense qu'on a surtout envie, on a vraiment
fait une saison exceptionnelle l'année dernière et ça nous a donné juste encore plus faim. Mais je pense qu'on a mis l'équipe sur de bons rails en Australie, donc on n'a qu'une envie de continuer comme ça, quoi. Alors on parle des émotions, c'est pas que pour les filles, hein, sur le vélo, dans les équipes, je crois qu'on a quelques images pour toi, Nico. Elle a gagné ! Elle a gagné ! Apparemment, derrière le monde, Mario Dominguez de l'étape. Wow ! You're amazing ! Yeah, amazing, yeah. So proud of you! So proud of you! Wow! Alors, on le dit, c'est intense, hein, les émotions, justement, et quel soulagement. On se souvient, voilà, du contexte, on a vu de tout temps pas parler, mais de ce contexte, il était quand même difficile, et là, mais quel soulagement, toute la pression retombe à ce moment-là, Nicolas. Ouais, je pense que tout le monde en a parlé. La veille, ça avait été très dur. Là, bah, y a le soulagement de toute l'équipe. C'était une étape qu'on avait cochée bien longtemps, dès la présentation du Tour. On savait que ça convenait à Cécilie, et avec le contexte particulier, ouais, il y avait beaucoup d'émotions, et on était vraiment heureux de partager ça. Pour la petite anecdote, nous, il y a un petit moment de flottement, c'est qu'à la télé, on ne sait pas trop où on en est, si elle a réellement gagné. Et on veut vraiment être sûr et la voir de nos yeux qu'elle a franchi la ligne. Et une fois qu'il y a ça, il y a la libération, et on partage ce moment-là intense. On veut revivre ça l'année prochaine. Bah, cette année, je veux dire. Ah, ça, je pense qu'en effet, tout le monde re-signe immédiatement pour revivre ce genre d'émotion. Je crois que vous pouvez applaudir l'ensemble de l'équipe FDJ Suez, mesdames et messieurs. Alors, cette présentation va bientôt toucher à sa fin. Alors, j'invite peut-être toutes les filles, le staff qui est un peu dispersé, à venir derrière, hein, du côté des canapés, puisque dans quelques instants, on fera une photo de famille. Mais avant cela... Lucas, alors ce vélo, ça en est où ? C'est les derniers serrages. Voilà, le timing était juste parfait. Bravo Lucas ! Bravo Lucas qui va nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter ce vélo qui sera le vélo de la saison. Le voilà, et vous pouvez l'applaudir, Lucas, et également l'ensemble des mécanos du staff technique. Il y a la direction sportive, il y a la communication, le staff technique, et voilà. Ah ouais, eh oui, la touche finale, les bidons. Bien évidemment, alors présente-nous un petit peu ce vélo, Lucas. Donc ça, c'est la Pierre Xavier 773. C'est le vélo qu'on utilise pour 80-85% de la saison. Sinon, on a le vélo de contre-la-montre, l'Aerostorm, et un vélo un peu plus rigide pour les courses plus plates, c'est le R-Code. Et donc, les filles adorent ce vélo. Les filles adorent ce vélo, visiblement c'est du bon travail aussi, bonne mécanique, hein, pour les mécanos, je crois que vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Je te propose de venir par ici, Lucas. Et Stéphane, voilà, j'ai envie de dire, voilà, que tous les ingrédients sont réunis pour passer une belle saison en 2023. Qui a commencé fort, et quand je vois le succès à chaque fois de cette présentation... C'est sûr que ça nous donne vraiment beaucoup de motivation. Elles sont 15, il manque Grace qui va nous rejoindre dès mercredi prochain sur le tour de l'UAE. Mais l'année dernière, j'ai oublié quelque chose de très important. L'année dernière, elles ont gagné, mais on a gagné avec 8 cyclistes différentes. Ça, c'est vraiment l'ADN de l'équipe. C'est cette solidarité, ce collectif très fort. Et je pense qu'un jour, on est capable de gagner autant de courses que le nombre de cyclistes qu'on est... au départ, avec un staff qui était encore, je les ai encore vus ce matin, préparer le prochain déplacement, hyper, hyper motivé et exigeant, parce qu'elles ont mis la barre haute, et maintenant, on ne peut pas rater, nous, le coche. La soirée va continuer, bien évidemment, Stéphane, dans quelques instants. Oui, évidemment, il y a le cocktail de fin, mais il y a plein de moments d'échange que vous pouvez passer avec nos cyclistes et avec le staff, et moi, j'invite l'ensemble du staff aussi pour la photo. J'avais un trou de mémoire, heureusement que tu m'as regardé. Tous nos mécaniciens, assistants, la com, tous ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui sont derrière, je vous invite à venir parce que c'est le travail de l'ombre. Tous les bénévoles qui sont là depuis le début aussi, parce que l'équipe a bien grandi, mais on est tous ensemble. Je vous invite tous à venir parmi nous. Et mesdames et messieurs, c'est le moment justement de réserver l'ovation qu'il mérite. L'ensemble du staff, tous ceux qui le peuvent, sont invités. Mind and senses purified, feed from desire. Mind and senses purified.
Et mesdames et messieurs, on va en profiter également une nouvelle fois pour accueillir Cali et Alvin qui vont nous rejoindre. Le staff Camille Alvin dans quelques instants pour clôturer. Mesdames et messieurs, c'est le moment de sortir les smartphones, les appareils photo pour immortaliser ce moment. Jade, c'est le moment où tu vas toi aussi faire du breakdance. Non, c'est une blague. Camille Alvin, vous avez de la place hein, si vous le voulez. Merci Camille, merci Alvin d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de l'équipe FDJ Suez, 14 des 15 filles qui sont là, avec Manu, avec Stéphane, avec tout le staff. Je crois que vous pouvez les applaudir cette soirée. Gatien, il est où Gatien? Gatien? Bah Gatien. Bah quand même, Gatien. Parce que si en 2006, il n'y a pas eu Gatien qui voulait que sa fille puisse courir dans les meilleures conditions pour créer cette équipe, on ne serait pas là ce soir. Vous pouvez l'applaudir. Bravo Gatien, bravo à toute l'équipe. Et un grand merci. Alors, je sais qu'il y a Emric à la photo, Marius là-haut, Eléa qui gère tout depuis des semaines, parce qu'on gère plus grand chose maintenant, nous les anciens de la présentation. Merci à l'agence Jeanne qui nous aide depuis 2 ans maintenant pour faire cette présentation, encore un événement exceptionnel. Merci à tous nos partenaires qui sont là, plus de 107 partenaires. Merci à tout le monde. Et maintenant, rendez-vous au cocktail à la table d'Arthur, Marion, c'est ça. Et juste, vous restez là parce qu'on a une photo avec tout l'ensemble de l'effectif. Merci à toutes et à tous, et maintenant place au cocktail. Putain, c'est bon, mon Nico, ce soir, on va s'en boire une bonne. Yeah, c'est yeah, bon, le champagne, il pète. Pas à Didier Jonin.